Et c'est parti mon kiki, on continue Trail Simone 4. Alors un petit détail, en maîtrise, vous allez voir que la dernière fois qu'on a fait, un horaire quand il ne pleut pas, il a bien compté. Par contre, j'avais fait deux autres scénarios et ils n'ont pas compté. Alors là, je sais pas. Je vais voir, je vais essayer de trouver un scénario. Je vais retenter un scénario. Mais qui pleut pas. Ça c'est quoi? Ah là il a de la pluie. Tâche de dépôt. Ah, on ferait ça les tâches du dépôt pour voir ce que c'est. Allez, on va faire des tâches de dépôt. Ça va être sûrement de préparation et mettre des ramaquets. On va voir ce que c'est. Tâche de dépôt. C'est pas trop folichon pour moi, mais bon, si ça peut me débloquer les trucs, ça peut le faire. Elles sont belles, hein. Bienvenue au dépôt de Marseille. Votre tâche consiste à effectuer les mouvements du train pour entrer et quitter le dépôt. Attends, effectuer les mouvements du train, entrer, quitter et préparer tous les trains pour le service. Montez à bord pour commencer. Purée. C'est beau, hein. Vais faire une photo directement. On va faire un petit screenshot comme ça. Là, c'est trop rapproché. Ok, allez, on y va. À préparer les trucs. Bon, moi, son train à préparer, finalement, c'est pas mal. Mais c'est pas toujours évident. Hein. Asseyez-vous sur le siège du conducteur. Maintenant, on a pris l'interrupteur puissance auxiliaire. Mais c'est derrière. Il me fait m'asseoir, mais après, je dois me relever, les gars. C'est con, quoi. 5 secondes. Voilà. Maintenant on peut se rasseoir. C'est pour allumer la batterie. Comme elle est à plat, forcément, il faut faire ça, quoi. Ah. Tous les dispositifs de sécurité, ça s'allume et ça fond. Pantographe sur normal. Voilà. Active le disjoncteur. Ah, lui, il était déjà bien réglé, ouais. Armé. Bouton de maintien du frein. Ah oui, le frein de parking. Appuyez sur l'urgence. Le neutre. Le re-urgence. Le lâcher. Il faut refaire. Ah d'accord. Desserrage 5 barres. Il y a une fuite là. Il est bien. Je vais pas mettre le nôtre. Ah, mais long alors, parce que là, il regonfle doucement. Son desserrage, BPC 5 barres. On arrive à peine à 3 là. Parce que j'ai mal un peu à ma. Ah. Le truc. Bizarre qu'il fasse autant de temps pour regonfler tout, mais bon. Aminer le compresseur. Aminer la réserve d'air. Allez, encore 0,5 bar, on est bon. On est bon. Maintenez le frein sur serrage jusqu'à ce qu'on ait 4 barres BPC. C'est bon, non? T'as pas enregistré. Inversion sur marche avant. Je touche le.
Le bouton neutre là. Pas le lâcher ça. Pas pourquoi il... Avant. Lutte conduite manuelle. On n'a pas fait d'attelage et d'étalage. Appuyez sur le bouton de maintien du frein. On est allé jusqu'à la gare de Marseille. J'ai pas mis les phares. Mais. On devrait voir. Ah si, ils sont mis. Donc j'ai pas les phares en queue. Ils sont pas allumés. On va relâcher les freins déjà. Mais le nôtre est encore mieux. Et ça, un saloperie. On va jamais lâcher les freins. Isolation des freins. On peut reconduire à combien? À 20 à l'heure? Arrêter à Marseille. Ça prend la première rame qu'on a préparée. Sûrement préparer toutes celles qui sont là derrière. Encore deux autres. Okay. Peut-être on va coupler aussi. Hein. Ça, on n'a jamais fait. Bon, en cul-de-sac. Ouais, on va en cul-de-sac au bout du cul-de-sac. C'est klaxon. Oh, j'ai pas allumé les trucs. On allume les. Éclairer nos instruments. Moi, j'aime bien éclairer mes instruments. Dans le noir, qu'est-ce que tu veux? Ouais. La gare est vide, encore il est quelle heure? 5h30 du mat. Les gens sont encore sous la douche. Marrant, il n'y a pas de livre de bord. Tiens, on aurait dû avoir un livre de bord où on peut inscrire des trucs. Pour l'atelier, tout ça. Mais il n'y a pas de livre de bord. Dans le jeu. On n'a pas non plus les bulletins de freinage. Pour les marchands de voyageurs, c'est fixe. Les positions sont toujours fixes. Donc. On connaît comment on peut faire. À quelle vitesse on peut rouler ces engins, ça fait du cours. Mais les marchandises, le poids diffère, les charges diffèrent tout le temps, donc on a besoin d'un bulletin de freinage. Peut-être on va mettre une deuxième rame compte et qu'on va la coupler. On va voir. Il y a déjà des gens sur le quai quand même. Okay. Il y a des leftos là. Ou des optimistes, je sais pas. Il faut vraiment qu'on aille au butoir. Hein. Je voulais me refaire un petit thé pour passer un frein. Déverrouillage des portes. Voilà, monsieur. À vos ordres. Ah, on embarque les passagers? C'est bizarre. Y a personne. Maintenez le frein. Le train sur serrage, 3 barres.
trop loin là. 3 barres, c'est bon là. Le PC sur 3 barres, il est un peu trop. C'est bon là. Ah merde, j'ai fait l'urgence. Oh, c'est bon là. Le train de serrage. Là, je suis sur 3 barres. L'aiguille BPC. Attends, l'aiguille BPC, c'est laquelle? Voilà. Dans 3 barres, hein, les gars. Ah non, B. Bah si. Pas descendre plus. Ça marche pas. Il y a 3 barres, il ne veut pas prendre. Ou pas. On essaiera, fin de train, de serrage. On se recourt. Pas, hein. Il y a un mauvais calibrage. On n'est pas. On un desserrage, je vais refaire un serrage parce que là il prend pas. Il a un petit problème le scénario. Ah voilà, il a pris. Activer l'interrupteur non, bah ouais, c'est ce que je voulais faire, voilà. Conduite sur off. Voilà. Inverseur neutre, voilà. Maintien en service. Désactiver le disjoncteur. Pantographe abaissé. Désactiver l'interrupteur. On coupe tout carrément. Hein. Un train va arriver sous peu et doit être mis hors service. À son arrivée, vous devrez monter à bord et le ramener jusqu'au dépôt. Sortir. C'est pas quelque chose à faire dans la gare. Ouais, c'est celui qui arrive là-bas. De l'autre côté. On va les garer. On fait des navettes. J'ai jamais visité, tiens, l'intérieur. Regarde, c'est la première classe. On va un petit peu à l'intérieur, on n'a jamais fait. L'étage en bas, on va aller voir en haut. Le mur en haut, moi, c'est plus joli, je trouve. Le paysage, c'est quoi? Un défibrillateur. Ah ouais, d'accord, carrément. Ah, c'est le bar. Ouais, cool. Hein. Il y a carrément le bar et tout. La deuxième classe. On fait un peu le tour dans le train. On voit pas bien ici. Hein. On va sortir. S'assoit sur le siège du conducteur. Pantographe C. Disjoncteur. Pas aller trop vite parce que c'est encore foiré et tout. Inverseur marche avant, puis on va faire la position de tractionnage.
Manuel. Début. SRH. Ah, ici, ça va vite. Verrouiller les portes. Porte verrouillée. Action. Bing bing. Il y a un petit bing bing quand on a la. C'est marrant. Hein. Quand les portes sont fermées, on a un petit signal de départ. Bing bing. Ça, c'est bien. Dépôt de Marseille-Saint-Charles. J'ai pas le temps de vérifier les caisses, il y avait des trucs à faire. On va garer. Non, bon, c'est marrant. On s'entraîne à mettre en service et à couper les cabines, c'est bien. L'horaire est bien prévu, à peine t'es arrivé, t'as mis à plat l'autre, boum boum, t'as l'autre à ramener à la gare. Au dépôt, pardon. Après le feu de manœuvre. Il vient à l'heure là. On n'a pas tiré. Oh, il y a encore plein de choses à faire. Je raconte pas. Il y a trois rames d'ailleurs au dépôt. Bon, ça va être mon quatrième que j'ai. Je l'ai prise. J'en ai amené une en garde, une dans garde, je la ramène au dépôt. Regardez à gauche, il y a encore deux rames à ramener sûrement. Le signal est ouvert, on disait. Hein. Je n'en ai pas moins de signaux. Bordard. On va garer, c'est un genre de cul-de-sac aussi. Okay. Un faisceau, mais. C'est pas un cul-de-sac, mais il y a un fleur de sol. Ah, c'est des fleurs roses. Les fleurs roses, c'est comme des rouges, là. Ok, d'accord. On va pas se le péter, hein. Ça paye cher. La queue, elle est bonne. Parce que deux voitures, ça va aller. Ah, faut vraiment aller au bout, quoi, pour qu'il soit bien garé. Faut vraiment aller au bout du bout. Oui. Arrive à 5 à l'heure, hein, comme ça, c'est bon. Vraiment tout près quoi. Elle est à 10 mètres, je fous tout. Je vérifie vite ma queue. Elle est bonne ma queue là. 15 mètres. Ah je sers. Chaque mon freinage, non c'est bon à 5 mètres près. C'est bon. Hein. Maintenant le frein sur serrage. Jusqu'à y avoir 3 barres. Neutre. Mode conduite off. Inverseur neutre. Un peu évident. Hein. Le dur. On disjoncte. On abaisse les pantos. C'est celle-là. Interrupteur principal. Et voilà. Y a un point de parking ou pas? 800 auxiliaires. Oh. Un nom de monte.
Ah, celui-là, c'est l'autre imbécile. Ah, c'est pour éteindre. Voilà. Prochaine tâche, aller jusqu'au train indiqué à le préparer. C'est là-bas. Minimum d'idées. Bon, on va préparer l'autre rame. Ben, il y a trois rames. À mon avis, c'est trois là. Mais chaque fois, on va aller en gare. On va ramener un truc en gare. À l'autre, on va ramener un autre train ici. Donc, ça fait six navettes, quoi. Sûrement ça. On a déjà fait deux. Un service de navette. Préparation, mise à quai, garage. On a déjà le signal. Hein. Ah non, il est rouge. Pourquoi il est blanc? Pourquoi il est blanc, il est pas rose? Blanc, on peut partir, non? Siège du conducteur. Après, il va me dire de faire la batterie. Je dois me relever. Interrupteur puissance obligatoire, je dois me relever, mais c'est con, hein? On va activer 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On la porte. Maintenant, on peut s'asseoir. Interrupteur. Pip, porte sur normal. Disjoncteur. Armé. Maintien du frein. Parking. Urgence, en test d'urgence. Neutre. On remonte. On met le neutre. Desserrage 5 barres. Ah, ici ça prend du temps, c'est ça. Ah, il faut du temps parce qu'on a vidé tout avec l'urgence. Là, le compresseur est en train de gonfler, de refaire de l'air. Il y en a pour un moment, hein. Faut être patient. Ah, bah, du coup, on a ainsi le signal, il est bien ouvert. Hein, et maintenant, il me l'a mis en jaune. Tantôt, quand j'étais en bas du train, il me l'avait mis en rouge. Là, le signal était déjà blanc. Ouais, il faut un temps fou pour faire ça. Ouais, ça me fait mal aux doigts sur la souris. Il faut laisser appuyer. Changer de doigt. Alors on a 3 barres, encore 2 barres, on est bon. Un bar et demi. On ne teste pas les dispositifs de sécurité par contre. On a testé l'urgence. Là, on est presque à 5 barres. On est bon. On tenait le frein jusqu'à le BPC soit autour de 4 barres. Maintenant, on serre. C'est bon, là. Là, il y a 4 barres. Inverseur marche avant. J'ai pas vu les phares sur les ennemis. Attends. Ah, ils sont mis d'office, apparemment. Conduite manuelle. Maintien du train, oui, on enlève le parking, bien sûr. On tractionne, c'est ça. Et desserrage, bien sûr, desserrage. Ah non, c'est pas ça. On trompe de bouton. Ça, c'est le serrage, ça, c'est le desserrage, voilà. On le fait avec le clavier. Et on tractionne. Le signal était bien ouvert. Mais un petit 30 à l'heure plus loin. Ah,
Oh, on n'a pas le même faisceau, il y a un faisceau, celui qu'on garde il est à 20 et celui qu'on sort il est à 30. Deuxième mise à quai. Je pense pas que c'est pas 30, hein, c'est 20. Ouais, c'est 20 aussi, regardez. On va faire le con. Qu'il y a une petite reprise à 30 après. On a combien de voitures? 10, c'est une rame. Ouais, chaque fois c'est une rame. Ah, c'est les phares, ça. Ça, c'est celui-là que je voulais faire. Ouais, d'accord. Phare normal. On va garer un petit test de klaxon, tout va bien. Ah, le petit 30. Yo Peloula, is my baby, hein, Marseille. Cul-de-sac. Oh, c'est marrant. Je prends ton feu. Allez, 15 mètres. Ça devrait le faire. Voilà. Le verrouillage des portes à gauche. Embarquement des passagers. Ou pas? Appel de frein sur serrage à 3 barres. Conduite off, inverseur 0, maintien de service, jante, rabaisser, bouton, maintien de service. La batterie. Notre service va bientôt arriver, doit être envoyé au dépôt pour nettoyage. Rendez-vous au quai indiqué. Attendu que le train arrive. Ok. Sortir déjà. Les repères. Pas trop le choix. C'est par là. Il arrive par là aussi. Okay.
quoi, beaucoup. Ouh, je suis en skateboard, regardez, zzz. Je suis en skateboard. On entend que je cours en plus. Mon skateboard et je monte. Soignez-vous sur la suite du conducteur, puis relevez-vous pour mettre la batterie. On va voir. Ouvrir. Ah non, c'est quoi? Annuler le maintien en service. Ah, j'avais pas encore fait ça. Sur on. 8-8-8-8. Orthographe sur C. Levé panto. Normal. Donc. Armement. Sur marche avant. Position manuelle. Serrage. Desserrage 5 barres. Ça va vite parce que là on a déjà de l'air. Verrouiller les portes. Ah, on va partir. Ah, on va au carouage, c'est ça. Il a dit qu'on allait au carouage. Hein. C'est verrouillé là. Hein. Pas s'il a pris le verrouillage. Il a pas pris. Hein. Je vais repousser. Voilà, c'est bon. Il a pris. Et la traction pour démarrer. Dépôt de Marseille Saint-Charles. Let's go. Ben voilà, ça se passe bien. C'est vrai qu'il n'y a pas des gens qui sont restés dans la rame. Hein. Toujours des gens qui traînent des fois, qui restent cachés. Je vous jure que c'est vrai, hein. C'est bizarre. Hein, ce comme ça. Des gens qui restent cachés dans la rame qu'on va les garer dans le dépôt. On va se mettre à 20, c'est bon. À combien? Une, hein? Ouais. Une voiture. Une rame. Oh, finalement, c'est pas mal, hein? Le mec, il fait ça toute la journée, il s'emmerde pas de trop, quoi. Des petits tours, des petits allers-retours. Pourquoi pas? Change hein, parce que rouler 20 à l'heure en TGV. Ouais, je conduis en TGV, tout ça. Le mec il roule à 20 à l'heure. Une tour de manœuvre. Nous arrivons. Le blanc. Ouvert. Petit jeu de manœuvre, ça. Comment ça les connaître? Après, on va chercher la dernière arme de l'autre côté. Ah, j'ai bougé les portes, je me suis trompé de bouton. On peut pas les ouvrir en roulant donc.
Ouais, 5 cadavres. Pas d'hommes. 0,5. Ouais, ça, je vais. Du plat, c'est bien. C'est bien quand tu fais un faisceau de garage en plat, c'est parfait. Mètres à 10 mètres, je fais. Maintenez le frein sur serrage jusqu'à ce qu'on ait 3 barres. Neutre 8 off à celui-là. Inverseur neutre, disjoncteur, ABC pantographe, interrupteur principal, que j'ai fait là? Je le ferai encore. Je dois me lever, je me trompais de touche, je parlais là. Ah mais je l'avais laissé ouvert, on va faire 2 secondes ça. On éteint la batterie et c'est réglé. Il sera nettoyé plus tard dans la journée par les nettoyeurs. Fantastique. Maintenant, on fait quoi? Dites-moi, monsieur. Prochaine tâche, prépare le dernier train. Tu vois, je le savais. Conduisez jusqu'à la gare prête au service. C'est là-bas le dernier train. Ça, c'est les deux qu'on a garés. C'est celui qui reste. Normalement, quand on prépare un train, vous savez qu'il faut faire les deux côtés. Il faut préparer les deux postes de conduite, hein, normalement. Bon, ici, c'est le jeu. Imagine qu'il y a des gens dedans. Faites attention. Restaurant, il y a le bar. Je vais passer au bar. La porte est verrouillée. Au bar. Hey Joe, vas-y, mets-moi une tournée ici. Ouais, c'est bien, ouais. Il y a des hot dogs aussi, non? Je sais pas, ouais. Avant, il y en avait. Oh, défibrillise-moi, défibrillateur, s'il te plaît. Attends, je vais un peu en première. Je fais une pause, je vais manger mes tartines. Ok, c'est bon. On va y aller. Bon, je descends l'escalier, c'est mieux. Le toboggan, hop. La porte. Yupa! J'espère que ça referme. Ouais, c'est bien. Brave bête. On a déjà le signal ouvert. Oh là là, on a même pas encore préparé. On a déjà le signal pour les garer. Allez, monte. Vais m'asseoir, mais je vais devoir me lever direct. La batterie. Voilà. Ah non, il y en a un ici, annulé maintien service. Ah cool! Il n'y avait pas besoin de se lever alors. Elle est en maintien service celle-là. L'interrupteur puissance auxiliaire. Ah bah si tu vois, il faut le faire quand même, mais c'est saloperie. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il a fait bip bip tout seul. Ah, il y avait déjà la clé. Pantographe sur normal. Disjoncteur armé. Pas aller trop vite, hein. Maintien du frein parking, quoi. Urgence. Neutre. Urgence. Neutre. Un effort gonflé, ça c'est le truc chiant. Attends. Le serrage. Ah, on a pour quelques minutes. Enfin, bon, sur un certain temps. On a vidé l'air, hein, c'est pour ça. Tout le temps que ça gonfle, ma pauvre Lucette. Ça va, déjà, il n'y a qu'une rampe. Tu vois, ces deux rampes, ça prend encore plus de temps.
crois qu'on aura deux compresseurs. Ouais. Ça sera à peu près la même chose. Finalement. Ça monte petit à petit. Ah, t'intéresse que l'urgence elle marche, le T-Train il marche sur le TGV, t'imagines? 320 à l'heure. Oh, tu fais dans ton slip là, tu sais plus t'arrêter. Tu peux même pas sauter, t'es déchiqueté. Allez, les 5 barres, s'il vous plaît. On est aux 2 tiers. Petit effort. Je me doutais qu'on allait se taper cette dernière rame-là. Et sûrement qu'on va ramener encore un autre train de la gare ici au faisceau, hein, comme on a fait tout à l'heure. Ça fera le service, quoi. Ça fera 3 mises à quai et 3 parkings. On a la troisième mise à quai. Voilà. Dans le serrage, à 4 barres. Inverseur marche avant. Ah, c'est pas ça. Ah. La commande manuelle, bien sûr. Le maintien du frein, on enlève. Desserrage. On remonte à 5 barres. La conduite. Et on tractionne. Un feu vert. Enfin, le petit blanc. Le petit blanc, le petit blanc, toujours le petit blanc. Ça va 20 à l'heure. Mise à quai. On a bien au phare, ouais, c'est. Je vais te klaxonner pour démarrer. Toujours vous prévenir qu'on bouge. Il peut y avoir quelqu'un qui passe devant, qu'on n'a pas vu. Pas de troisième écran. Ah voilà. Nous allons à Marseille, mais on est déjà à Marseille, on est juste à quai. Pour moi, il n'a pas plu dans son scénario, tiens. On va voir s'il va compter dans mes trucs, hein, dans Monde of Tale Live. Non, merde. Hein. Il devrait compter double celui-là parce qu'il n'a pas plu en plus d'un scénario. Encore le petit feu qui est ouvert là, blanc, petit blanc. Le signal est raciste, il est raciste, il est blanc, il est raciste. On peut remonter un peu la vitesse dans le 30, mais bon, faut pas la peine, on va cul-de-sac. Cul-de-sac. Attention, mise à quai. On n'a pas les feux rouges en queue, par contre. Hein. Déjà putain un cul-de-sac à 20 à l'heure. Je vous conseille pas. Ça coûtait cher ça. Quand ça continue qu'un feu rouge. Hein. Un dépassement de signal.
5. Allez, on va mettre. Après, je suppose qu'on va donc garer un autre train. On va y mettre. Serre les fesses, on serre le frein aussi. Ben, c'est bon. On déverrouille les portes pour les gens à gauche. Oh, c'est des gens qui viennent. Oui, monsieur. Maintenez le train de serrage à 3 barres. N'a pas pris. Il est serré. A pas bien enregistré ou je l'ai fait trop tôt. Voilà, je l'avais fait trop tôt, tu vois. Même l'autre. Neutre, maintien service, 10 ans plus tard, photographe ABC, service, maintien service. Tu vois, il faut aller garer un autre train au dépôt après. Garez-vous. Bon, sûrement par ici encore. On va bientôt arriver. Ah non, c'est par là. Ah bah c'est le même quai qu'on était quoi. Il dit d'aller là. Ah bah non, pourquoi il me dit d'aller par là maintenant? Ah là là, ils sont un peu cons les trucs là. Ah je vais aller au bout là. Ah c'est toujours la même voie hein. On va tenter ici. Oh il arrive le train. Peut-être me mettre de l'autre côté, non? Voir ce qui est ici, s'il n'y a pas des trucs à faire. Donc j'ai le temps. On entend courir, hein. Le skateboard. À l'avance que le train arrive seulement maintenant. Attendez que votre train arrive. Où qu'elle? Ah, il y a du monde ici. Ah, il y a un truc là, non? Ouais, truc de soin. Pour votre confort et votre sécurité, nous vous rappelons que cette gare est non fumeur. Cette interdiction s'applique également aux cigarettes électroniques. Gare non fumeur, le bonheur. Ah oui, ah, je vais devoir peut-être mettre à plat là-bas. Ouais, je vais tourner de l'autre côté du quai parce que on va peut-être s'occuper de la cabine d'arrivée. Tant pis, hein, c'est mieux de recourir de l'autre côté. Mais... On va suivre les instructions. Il me dit d'attendre là-bas le train. Là, je vais attendre là-bas. Je me mets sur les rails et qu'il m'écrase. Ça fait game over. On pourrait tester ça. Ça fait juste un bug. On va arriver jusqu'ici. Les collègues. Oh, c'est mon ami Robert. Salut mec, salut Robert. T'as une belle casquette. Attention, t'arrives un peu vite pour les butoirs là. Attention, attention, attention. Embarquement terminé, c'est quand on ferme des portes en cours. Ah, maintenant il faut aller de l'autre côté. Tu vois, j'ai bien, j'aurais dû rester de l'autre côté. Les gens ils veulent rentrer. Ah, ils rentrent les gens? Pourquoi ils rentrent? C'est une rame que je vais garer, non? Je peux plus aller vite. J'ai bugué quelque chose. Je peux plus courir. Bugué un truc parce que je peux plus courir.
Imagine que je suis accroupi. Non, je suis pas accroupi. Mais il y a des gens qui sont rentrés dans mon train, monsieur. On va faire relais de conducteur, non? J'ai pas vu le conducteur. Porte, porte. Asseyez-vous et relevez-vous. Enlevez le maintien du train. Mise en service. Pantographe sur C. Levé panto. Disjoncteur. Armé. Inverseur marche avant. Position manuelle. Ah ouais, on peut faire le truc. Serré. Ah non, desserrage. Non, mais putain, qu'est-ce que je fous de l'attraction, moi. Le desserrage, c'est ce bouton-là. 5 barres, c'est bon. Verrouillage des portes, à gauche. Il y a des gens qui sont rentrés dans ma rame, hein, au cas où, les gars. Action. On va où, nous? On va garer avec des gens dans la rame. D'accord. C'est le chef qui l'a dit. J'ai l'impression que les feux se mettent automatiquement ici quand on met en service. Pense que c'est la dernière rame qu'on va faire. Il y a quoi quelque chose après ou pas? Je pense que c'est le dernier. On va la mettre à plat et puis ça y est quoi. Finalement, c'était pas trop compliqué. Hein. Ça change un petit peu. Finalement, c'était pas mal parce qu'on commence à se faire ces automatismes dans la rame. Pas évident quand même. Hein. Moi, j'ai conduit ça, donc il y a des petites différences avec ce que je faisais. Ouais, tout va bien. La lumière, les klaxons, tout le long. Le monde dans le cockpit. Allez, 600 mètres. 600 à faire. Qui dit mieux, qui dit mieux. 600 à faire. Allez, j'ai 500 à ma gauche. Pas les enchères. De vitesse quand on se met devant alors qu'on va pas vite là. Allez, après ce service je vais grignoter quelque chose au pas. Je me ferai un petit café ou un petit thé. Avant les prochaines aventures. On va vérifier aussi si on a gagné le service d'Hoftel là. Ça fonctionne ou pas. Bien scénario sans pluie. C'est bien. Et aussi l'aller-retour. Hein. Il y a un service d'aller-retour qui dure 1 heure. Ça va être pas mal. La prochaine fois, je fais celui-là. On va voir si ça enregistre déjà. Sinon, on est mal quoi. Un bug, il n'enregistre que les scénarios qu'il n'y a pas de pluie. On est bon. Voilà, dit le monsieur. RH, 3 barres. Neutre. Neutre. Disjoncteur.
interrupteur. Et on va faire la 2 secondes ici pour couper les batteries. Bon. On illustre. Et boire un café. Envoi dépôt. Plus dégage, j'ai fini de me bouger les rames. Bien. Bon travail, voilà qui conclut vos tâches. Faites une petite pause maintenant. C'est avec plaisir, mon commandant. Voilà, on va aller au dépôt ici. Hop. Marque en chinois. Regardez. Marque en chinois chez. À Marseille, c'est en chinois. On est passé niveau 77, j'ai même pas fait attention. Médaille d'or, ouais. Tâche de dépôt. C'est bien débrouillé là, on a fait une bonne tâche là. Principal. On va voir si ça a compté dans nos trucs. Hein. J'espère, sinon là, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on va dans le live. On maîtrise. Je vais laisser le charger. Ah, il a pris, je pense. Oui, regardez, compléter 3 scénarios et 2 scénarios quand il ne pleut pas. Il a pris. Donc il me reste 2 scénarios à faire. Je vais les faire sans pluie pour être sûr. Les autres scénarios que j'ai fait, il a plu, c'était la merdouille. Donc là, on l'a eu. Impeccable. Ben, j'espère que ça vous a plu, les amis, et à la prochaine. Ciao, ciao.